comment résoudre un problème de connexion Internet. Pour ma part, j'utilise une astuce qui fonctionne à chaque fois lorsque j'ai un problème avec ma connexion Internet. Donc, je vais vous montrer ça maintenant. Donc ici, on peut voir, dans le fond, qu'on a le routeur et on a le modem. Donc, ça prend ces deux-là pour qu'on puisse faire fonctionner une connexion Internet. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez débrancher les deux, donc du mur, vous allez les débrancher. Vous allez attendre par la suite environ 5 minutes. Et lorsque les 5 minutes sont écoulées, vous allez seulement rebrancher le modem. Donc, c'est quoi le modem? C'est celui-ci. Vous allez seulement rebrancher celui-ci et vous allez attendre que les 4 lumières sont stables. Donc ici, on peut voir qu'il y a 5 lumières. La cinquième, ici, c'est parce que le routeur est branché présentement. Mais puisque ça va être seulement celui-ci qu'on va rebrancher, vous allez avoir seulement 4 lumières et qu'il faut attendre qu'il soit stable. Donc une fois que les lumières sont stables, vous allez pouvoir rebrancher par la suite le routeur. Donc celui-ci, vous allez pouvoir le rebrancher. Et lorsque les deux vont être, dans le fond, branchés, vous allez attendre 3 minutes. Et par la suite, normalement, la connexion Internet, elle est rétablie. Donc, pour moi, ça marche à toutes les fois que je fais ces étapes-là. Donc, pour recommencer, vous débranchez les deux, le routeur, le modem. Vous attendez 5 minutes. Et ensuite, vous rebranchez seulement le modem et vous attendez que les 4 lumières sont stables. Une fois que c'est fait, vous rebranchez le routeur. Vous attendez 3 minutes et normalement, la connexion, elle est rétablie. Et si jamais la connexion Internet n'est pas rétablie parce que c'est possible que ce soit un autre type de problème, eh bien, je vous invite tout simplement à contacter votre fournisseur Internet et il pourra répondre à vos questions à propos de votre connexion Internet si vous avez un problème. Si cette astuce a marché pour vous, n'hésitez pas à commenter en dessous de la vidéo. Je veux vraiment savoir si mon astuce a fonctionné, si ça vous a aidé. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à liker et abonnez-vous à la chaîne YouTube. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!